bien, on espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Oui, ça va même très très bien, mais je pense que Corentin, je vois pas très bien dans ta tête. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui là sur la tête, dis-moi? Eh bien, une couronne avec de la nourriture au bout. Bah bien sûr, une couronne avec de la nourriture au bout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Qu'est-ce que t'es allé nous inventer? Le roi des gourmands. Ah oui, le roi des gourmands, mais oui, c'est vrai, c'est un challenge de chez Hasbro. Oh là là, c'est vrai que ça s'est vu sur YouTube et tout. Et nous, ben, on a aussi été choisis par la société Hasbro pour relever le challenge. Alors franchement, je pense que c'est un des trucs les plus tordus qu'ait pu inventer Hasbro en fait. Hein. Je trouve que c'est assez tordu, mais c'est assez rigolo pour le coup. Alors pour les amis qui connaissent pas le challenge du roi des gourmands, en fait c'est simple, on a une couronne sur la tête et on a le roi au bout. On a de la nourriture. Donc nous on a mis de la nourriture, donc on a mis quoi? Alors tu peux nous dire un peu ce qu'on a mis? On a mis un surimi, un crocodile en bonbon, un chamallow, un bout d'hamburger, une tagada, et voilà. Et un knacky. Et une knacky, voilà. Donc en fait, on a mis plein d'ingrédients, plein d'aliments autour, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez écorcer les choses avec du piment, enfin des choses un peu, voilà, entre même adultes. Je pense qu'on va le tester avec papa aussi. Donc nous, on a mis des choses très bonnes, comme les bonbons, et des choses un peu moins bonnes, comme l'hamburger, pour vous dire, il sort du frigo, donc c'est pas terrible. Là, qui boit le froid. Ça va être dur à mâcher. C'est pas terrible. Donc on a 6 ingrédients. Par contre, les bonbons, et ben c'est trop bien. Mais faut-il encore arriver à les attraper? Oui. Parce qu'on va mettre en route. Ils sont petits, et aussi, il faut arriver à les tirer. C'est ça, mais la difficulté, c'est qu'on va mettre la couronne en route, elle va faire de la musique. Et tant que la musique retentira, on pourra essayer d'attraper les aliments au bout des fourchettes, mais sans les mains, juste avec l'aide de la bouche et en bougeant la tête, voilà, pas comme ça, c'est trop facile. Donc sans les mains, et une fois, et ça va tourner aussi autour de la tête, et une fois qu'on aura plus de musique qui retentira, et bien on comptera combien d'aliments on aura mangé ou pas, et celui qui aura le plus de points aura gagné le challenge, d'accord? Oui. Alors, on fait combien de manches, Loulou? 3. 3 chacun? Je mets en route. Ok, bon, bah c'est parti. Alors, ça a l'air très pressé, donc c'est parti. Allez. Go! Manche numéro 1. La claquille! Fini, 0 pour compte. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est plutôt compliqué. Donc on continue avec Océane qui est mort de rire. Moi aussi, je sens qu'on va, avoir mal au ventre à la fin de la vidéo. Donc on va le mettre à Océane et on va le régler pour sa tête. Sur 4. Toujours à la manche numéro 1 avec Océane cette fois. Donc tu as trouvé le bouton ou pas? Non. Non? Corentin, tu peux appuyer si tu veux. Là. Attends, on a une ici. Voilà, c'est parti. Hop. On a deux. Bon, presque, c'est bon, presque. Ah, non, c'est quelqu'un qui est tombé. Ah si, il y a un bout d'hamburger qui est tombé. Mais il en reste. Perdu. Donc ça fait toujours 0-0 pour Corentin. Il y a un bout d'hamburger qui est tombé. Oh. Bon, on va le remettre et on passe à la manche numéro 2. J'ai pensé. Manche numéro 2 avec Corentin. Donc c'est parti. Bouton. On va essayer de faire mieux que la première fois. Moi j'ai failli gagner un point parce que j'en ai marre, j'ai failli en manger un. C'est Rémi. Fais gaffe là. Il est un peu bloqué. On a envie de prendre les mains, hein, mais on n'a pas le droit, Oh, presque l'hamburger.
Ça fait toujours 0 à 0. Bon bah, on continue avec Océane. C'est bon Océane, tu peux y aller, appuie sur le bouton. Allez, les mains derrière le dos. Je suis prêt à manger. Elle t'embête, hein? Oui. Elle les met dans la bouche, mais elle les a pas comptés. Oui, un point pour Océane. Tu peux leur enlever la fourchette à la main. Ouais, bravo. Allez, Carmel. Bravo, Océane a marqué son premier point. Elle a mangé son premier croco. Boum. La fourchette, il n'y avait pas le croco. Donc, on continue avec la troisième manche avec Corentin. On va remettre la branche et on va remettre un croco. Dernière manche pour Corentin, c'est parti. Ah. Presque. Oui. Ça fait un partout. Et toi, t'as mangé quoi du coup? Un bout d'hamburger. Donc j'allais rechercher un bout d'hamburger. C'est pas terrible. Et on va continuer avec Océane. Et c'est pas terrible, c'est sûr, l'hamburger froid, c'est pas bon du tout. Hein. C'est parti Océane, qui est prête? On a envie d'hamburger. Allez. Ouh, presque craqué, presque. Oui. Non, ma fille, c'est ça que j'aime voir qu'elle y arrive pas. Non, de la burger. Ah, bon, on a perdu un burger, on va le remettre dessus. Et puis on se retrouve pour une quatrième manche du coup. Yeah. Oh, dessus. Quatrième manche pour essayer de vous départager, mais par contre, si vous êtes ex aequo, bah, on arrête là, d'accord? Oui. Ok, c'est parti. Mon tagi. Encore la tagada. Oui, bravo. La tagada, donc ça fait 2 points pour Corentin. Oula. Bravo Corentin, ça te fait 2 à 1. Donc, ben, Océane, trois morceaux d'hamburger sur le canapé. J'ai eu la tagada pour une fois. Bravo, tu as réussi à avoir ta tagada, donc on y va. Avec Océane. Dernière tentative pour Océane. Alors je vous garantis qu'on a plein de viande à burger sur le canapé souris. Oh, c'est pas possible. Bravo. Premier coup comme ça. Donc ça fait 2 points. Bravo. Oh, ah, Il est tombé sur lui. Autant de pas. Oui. Bravo Océane, 3 à 2. Elle est en train d'exploser quoi en bas. Bravo. On va plein la bouche. Avec la qui presse ta gala, ça va être sympathique. Regarde, t'as gagné, je crois. Elle va tout manger. Et tu vas voir à la fin ce qui va se passer, ça va dégoûter. Eh ben, knacki pas. Oui, sur le fil, bravo. 4 à 2 pour Océane, bravo. J'ai piqué un bonbon. Super, j'ai vu piquer le bonbon. Bravo, on a le surimi sur la table. Franchement,
Voilà. Magnifique surimi. Magnifique surimi. Que personne n'a mangé d'ailleurs. Manger? Bah oui, si tu veux. Peux manger le reste du chamallow. Bah si tu veux. Bon les loulous, qu'est-ce que vous en pensez de ce challenge? Super bien. Super bien. Bien. Ouais, franchement, c'était trop marrant. Je crois que c'est un des challenges les plus rigolos qu'on ait fait sur la chaîne, non? Et c'est moi qui ai gagné. Oui. C'est toi qui as gagné, ouais. Bravo. Tu as gagné 4 à 2. Elle t'a explosé ta soeur. Bravo, bravo. Les mais elle est plus gourmande que moi. Ouais, elle est beaucoup plus gourmande que toi, c'est sûr. Voilà. Les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ce challenge, si vous l'avez commandé pour Noël. Pourquoi pas? Parce que sur la liste du Père Noël, je le vois bien celui-là. Et oui, bah oui. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse un challenge papa contre maman? Non, toute la famille dans les commentaires. Toute la famille. C'est la fin de cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit. On a dit les chiens. On a dit les chiens, ouais. Les chiens. Il y a un bouquin en dessous de la table, il attend les hamburgers. Mais non, ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Si, bah, comme c'est la fin de cette vidéo, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, et abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait le gros bisou et on vous dit ciao, ciao, ciao les amis. Bisous, bisous. Ciao.